bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je vous montre aujourd'hui l'heure. Il a l'air qu'il va faire bon, voilà, je pense. Il fait pas très chaud non plus, mais je pense qu'il va faire bon. On va aller au petit-déj là, et ensuite on a plusieurs activités prévues. Je vais être honnête, je me rappelle plus du tout ce qu'on va faire. Enfin, j'ai plus tous les détails, donc vous verrez ça au fil de la journée. Bon, nous voilà au petit-déj, il est bien cool, je vais vous montrer. J'adore les petit-déj dans les hôtels, c'est toujours trop cool, surtout les hôtels comme ça. Vacances, on va dire ça comme ça. C'est pas en vacances, mais ça y ressemble. Rapidement de la chambre d'hôtel, on a encore un peu de temps devant nous, donc je suis en train de regarder le programme, comme ça je vous dis rapidement ce que vous allez voir aujourd'hui dans le vlog concrètement, mis à part nos conneries habituelles bien sûr. On va à Cava Léopard, je pense que ça se dit comme ça mais je ne suis pas certaine, qui est un site, enfin un lieu énotouristique, donc c'est pour le vin, ça doit être des vignes ou quelque chose comme ça. Et on va manger là-bas et on va faire un tour de calèche, il me semble. Donc on va avoir des chevaux dans la nature, ce qui est plutôt cool. Ensuite, pendant la journée, on va faire une activité nautique. Je pense qu'on va faire genre un tour, si c'est ce qui est sur la photo, c'est un tour de catamaran quand même. Ouais, j'ai pas tout compris en fait. Ouais, on n'est pas certaine. Je sais qu'on peut aussi faire du paddle si on veut, mais il fait extrêmement froid, l'eau est extrêmement froide de la mer, donc je suis pas sûre d'avoir envie de faire du paddle, mais on verra bien, sinon ça aurait pu être cool. Oui, j'ai mis mon petit pull parce qu'en fait on est allé un peu dehors et il fait un peu frisqué pour le moment, donc j'ai remis ma petite laine. Cette prise de vue, nous avons le Caire pour nous seuls, ou pas. Ici ça s'appelle Alcanto. Alcanto, merde, c'est trop drôle. Bon les amis, j'imagine que ce sont des vignes, je n'y connais absolument rien, mais bon quand même. Bon, par contre le paysage il est super joli, rien à dire. Il est 8h du matin et il va nous faire voir ceci, on ne sait absolument pas ce que c'est, du vin pétillant, quelque chose qui ressemble à du champagne. Que je ne boirai pas parce qu'il est un peu tôt quand même, hein. Mais où va-t-on? Que se passe-t-il? Les catacombes. Ah oui, quand même. Voilà à quoi ressemblent les endroits où on stocke, où on fait le vin. Bah, on va faire de la calèche avec les jolis chevaux. C'est trop mignon. Bon, je vous reprends quelques minutes plus tard. Ils ont fait un petit apéro là-bas, c'est tout mignon. On a pu faire des photos avec les chevaux, ils sont trop gentils en fait. J'avais un peu peur, j'avais un peu d'appréhension parce que moi, les chevaux, j'y connais rien en fait. J'ai pas souvent été en contact avec des chevaux donc je ne sais pas trop, mais ils étaient très gentils. N'hésitez pas à aller voir ma photo Insta, mon compte Insta, il est tout en haut de ma barre d'infos. Et voilà, vous verrez un peu. Ouais. Bon, je vous reprends du car les amis, on est à Villanova, je pense que c'est tout simplement la ville. On va aller faire du bateau logiquement, on ne sait pas encore trop à quoi ressemble le bateau. C'est un grand petit, on sait pas qu'ils vont... Which is a stroll in the street where people go to stroll just for the pleasure of a strolling. Of course, with this nice weather, people, families used to go out to stroll and to gossip. Now with the phone, cellular phone, you are updated every second of what's going on. But in the past... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on va faire. On vient de nous donner ça, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que... Bon, on est magnifique. Faire attention de ne pas filmer parce que tout le monde est en train de se mettre nu pour mettre ce truc. Donc j'ai mis un maillot de bain et puis j'ai mis ça qui est deux fois trop grand pour moi, donc c'est magnifique. On dirait que j'ai fait caca dans mon pantalon, c'est très beau. Elle a la classe parce qu'elle a le maillot de bain assorti. Donc c'est à dire qu'on dirait qu'elle a la combinaison spéciale Lady Gaga. Et moi j'ai l'air con. Ouais.
Ah bah oui, j'ai tout vu mon cœur, Tati m'a envoyé des photos, j'ai vu tout ce que t'as fait. Tout. Coucou. Ah c'est chouette. C'était un secret. Mon bébé. Tu remontes tes belles tresses, regardez les belles tresses qu'elle a mis là. Remonte tes belles tresses mon amour. Waouh. Qu'est-ce que c'est joli. Tati c'est go, elle fait bien ça. Hein. Waouh. Bon, je vous reprends maintenant, j'ai mis là au téléphone, elle était toute contente de me voir, elle a passé une super journée parce qu'en fait elle est, y a la sœur d'Alex Ego qui est venue toute la journée parce qu'Alex il avait une partie de la journée où il devait faire des photos pour les vélos qu'on shoot très souvent et du coup elle est venue la garder, elle s'en est trop bien occupée, toute la journée elle m'a envoyé des photos de tout ce qu'il faisait etc. Enfin bref, Mila a passé une super journée, elle lui a fait des jolies tresses et tout, j'étais trop contente pour elle parce que je sais qu'elle adore Sego, donc voilà. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire un double vlog, comme je fais de temps en temps, mais Alex aujourd'hui il a bossé toute la journée et hier il n'y a pas vraiment pensé. Je pense que demain par contre vous aurez sans doute un double vlog. Après ici on n'a pas de wifi donc on doit tout exporter avec notre 4G, c'est très très compliqué donc... On peut pas non plus vous poster des vlogs de 25 minutes parce qu'on y passerait, la journée à essayer d'uploader le vlog. Et vu qu'on n'est pas là de toute la journée comme vous avez pu le voir, c'est un peu compliqué. Voilà, bref, c'était pour que vous sachiez. Là, on vient de se reprendre une douche parce qu'après avoir passé notre journée à gambader dans la flotte là-bas, bon, une petite douche, ça nous a fait du bien. Et on va aller manger tout simplement dans l'hôtel. On aurait voulu manger ou aller boire un verre ou quoi entre Français... autour de l'hôtel, mais il y a pratiquement rien d'ouvert, on est vraiment en hors saison, donc voilà, on reste ici, voilà.
Bon, je vous reprends maintenant. Il est pas très tard, il est un truc comme 22h. On a fini de manger, etc. On est allé boire un coup au bar de l'hôtel, voilà. Et là, on va monter notre vlog comme tous les soirs. Et demain, on va se lever méga, méga, méga tôt, encore plus tôt que tous les autres jours. Donc, genre, on va se lever à 6h pour être prête à 7h. Et on va aller faire plein de photos sur la plage, etc. Parce que le matin, quand le soleil il se lève, il est vraiment à une bonne hauteur pour faire des photos comme moi j'aime. Et donc, je voudrais en faire à Elissa et en faire quelques-unes pour moi aussi, tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve dès demain pour de prochaines aventures. À demain, gros bisous et portez-vous bien.